Salut à tous, c'est Tio Tonton. Alors on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Plane Mechanic Simulator. Donc là on va parler du Spitfire. Voilà, je viens de débloquer le Spitfire, hein, donc on l'a ici. Donc c'est un avion qui est nettement plus complexe. Et en plus on nous amène du coup l'armement notamment. Enfin vous allez voir, il y a plein de changements par rapport au premier moteur du biplan qu'on avait juste avant. Donc là on me demande une petite mission, hein, de vérifier les bougies de l'avion. Mais vous allez voir que c'est autre chose par rapport à l'avion qu'on avait juste avant. Voilà. Donc le Spitfire, le voilà, donc il est hyper bien réalisé. Encore une fois, on a un avion qui est très joli. Je trouve que au niveau visuel, hein, le jeu est plutôt pas mal. Donc là, intérêt, c'est qu'on peut monter sur l'aile. Voilà, hein, donc ça nous permet d'accéder facilement au capot. Donc on me demande de voir les bougies. Bah, c'est pas dur, on va aller démonter les capots. Hop! Donc là, ce sont des vis quart de tour, je crois que ça s'appelle. Donc l'avantage c'est que c'est hyper rapide pour démonter le capot. Alors hop, je vais me décaler par là. Voilà, on va enlever celui-ci aussi. Voilà. Je crois qu'on a juste l'autre capot de l'autre côté et on aura normalement accès à toutes les bougies, il me semble. Je crois pas qu'il y en ait en dessous, mais... Bon, en même temps, on n'est pas à ça près, on peut peut-être enlever le capot du dessous aussi, hein. Voilà. Et du coup, hop, on va descendre, on va enlever le dernier capot. Voilà. Bon, a priori, dans le dernier capot, il n'y a pas l'air d'y avoir de bougie, hein. Je ne pense pas. Voilà, donc... On me demande d'enlever les bougies. Alors les bougies forcément sont cachées derrière les câbles d'allumage. Donc on va enlever le premier câble d'allumage. J'ai pas regardé combien il y avait de bougies. On va le refaire. Alors j'ai dit que j'enlevais. Non, j'ai dit que j'enlevais le câble d'allumage. Voilà. Alors, on va remettre. Bon. Bah donc on va finir en enlever parce que là du coup il n'est pas totalement enlevé donc ça ne va pas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 24. Voilà. C'est compliqué parce que je ne sais pas combien de bougies il y a. Bah, c'est pas grave, on va faire ce qu'on peut. Alors voilà, donc là j'en ai déjà une ici. Donc la bougie. D'ailleurs c'est pas de l'enlever qu'il fallait que je fasse, c'était la vérifier simplement. Voilà, donc on vérifie. Donc elle est parfaite. J'en ai une ici, qui est pas mal non plus. Alors ici, est-ce que j'en ai une autre? Oui, une là. Elle est bonne. Celle-là est bonne. Celle-là est bonne. Et celle-là est bonne. Donc là maintenant, on va se retourner et on va faire celles qui sont en face. Voilà. On va essayer de trouver l'angle. La bougie, on la voit à peine. Hein. Pouf. Elle est bonne. Donc là, j'en ai deux. Celle-là, elle est bonne aussi. Parfaite. Bonne et bonne. Donc c'est déjà pas ces bougies-là. Du coup, je vais lui remettre... Voilà, je vais lui remettre le câble d'allumage. Donc 9, 10, 11, 12. Voilà, plus les 4 vis, voilà. Donc là, il y avait 12 bougies, en fait, hein. Bon, bah du coup, on va regarder maintenant sur le côté. Alors, il y a normalement un deuxième câble d'allumage. Voilà, le câble d'allumage inférieur. Et donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il y a encore 12 bougies supplémentaires. Voilà, elles sont là. Impeccable. Donc, là, je veux les vérifier simplement. Bonne. Bonne, bonne,
Ça aussi. Parfait. Oups là, dis donc, ils m'ont envoyé loin là. Oh, détends-toi. Voilà. Alors j'en étais là. Et bonne. Voilà, c'était la dernière. Donc 2, 4, 6, c'est ça. Et j'en ai 6 de l'autre côté. Ils vont être peut-être difficiles à voir, on va voir. Hein. Non, c'est bon, elles sont sous l'échappement, ça passe. Alors, une, deux. Ah, celle-là est endommagée. 3, 4, 5 et 6. Donc il y en a deux d'endommagés. Alors, on va les monter les deux. Donc c'est celle-là. Non, c'est pas. Voilà, c'est la bougie que je veux. Et celle-là. Je suis pas trompé, on est d'accord. Hop. Donc il y a 24 bougies quand même hein, sur le bordel. Hein. Hop. Donc on peut pas réparer les bougies, on va les changer du coup. Donc deux bougies. Tac. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Je peux remettre le capot du dessous, hein, puisque j'en ai plus besoin du tout là. Voilà, le latéral, je peux le remettre, j'en ai plus besoin non plus. Le capot latéral qui est ici. Voilà. Ensuite, on monte sur l'aile. On va remettre. Alors, je voudrais bien remettre d'abord le. Ah, bah, je l'avais remis. C'est vrai, j'avais oublié que j'avais remis le cap d'allumage. Quand j'ai eu fini de vérifier les bougies tout à l'heure. Et voilà. Donc tout ça c'est fait et on m'a dit de faire simplement le plein si je ne m'abuse. Voilà, le plein de l'avion. Bon. Tac. On défait le réservoir. Alors là c'est vachement plus rapide hein, de faire le plein de l'avion par rapport au biplan. Puisque du coup, hop, on vient chercher notre tuyau. On remonte direct sur l'aile, pas besoin d'amener l'échelle, hein, du coup l'escabeau. Et hop! Voilà. Donc là, encore une fois, on n'a pas de souci avec le carburant, on peut le monter à fond. Il n'y a pas de minimum maximum, hein, on est très bien là. Voilà. Hop! On coupe. Hop. Voilà. On referme. Alors sur le Spitfire, il y a un deuxième plein à faire de temps en temps. C'est pas le cas là, hein, on me l'a pas demandé. C'est ici à l'avant. Alors on le voit pas très bien. Voilà, ici. On a voilà. On a la trappe d'accès au réservoir de liquide de refroidissement. C'est ce qui va vous permettre en fait hein, de faire le plein de liquide de refroidissement avec hein, ces bidons là. Hein, voilà. Et ce coup-ci, on a deux criques pour l'avant. Donc je suppose qu'il y en a un qui doit se placer ici sous l'aile, ou alors juste au bord, ici près du train. Et le deuxième doit se placer de l'autre côté. Voilà, à mon avis, ça doit être des vérins. Je sais pas si on voit l'endroit où on les accroche. Alors on voit les trappes à mitrailleuse aussi. Hein. Voilà, touc-touc. Voilà, il y en a une là-bas aussi. Voilà, il y a 4 mitrailleuses par côté, donc ça fait 8 mitrailleuses au total. Hop!
Voilà, donc là, normalement, on est bon. Tout a été vérifié. Hop. Voilà. Et voilà. Continuons la carrière. Alors on va voir si j'ai le temps ou pas de vous faire une autre vidéo, enfin une autre répa. Il est enfin on est à 11 minutes. Donc on va voir si ça tient ou pas. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faire le niveau de liquide de refroidissement, le plein et le niveau d'huile. Bon, niveau d'huile, tiens. Je sais pas où est le réservoir d'huile. Ben, on va essayer de le faire, ça du coup. Hein. Alors, niveau de liquide de refroidissement, donc c'est l'huile là qui va me manquer. Et ben voilà, il est là le niveau d'huile. Hein. Trappe d'accès à l'huile. Hein. Ben voilà. Et où est l'huile? Bouchon du réservoir d'huile. D'accord. Donc là, on va ramener l'huile. Tac. Hop. Le tuyau. Trop court, c'est quoi l'idée? Je vais être trop court. Monte sur l'aile, non? Il prend ou pas si je monte sur l'aile? Ouais, je suis un petit peu loin, c'est ça. C'est pas grave, on va raccrocher. C'est la première fois que j'amène l'huile près du spit, hein, donc. Hop. Ah, je me coince si je fais ça, donc faut peut-être que je l'amène. Devant l'hélice, en fait. C'est peut-être la meilleure option. Voilà. Peut-être que devant l'hélice, ça sera plus simple. Comme ça, on est au plus près. Est-ce que je passe? Oui, non, peut-être. Alors, accroupi, je passe. Voilà. Quel bordel. Bon. Je prends mon tuyau. Je place mon tuyau. Et ensuite, je vais pomper, comme faisaient les Shaddock. Voilà. Oh, il en faut beaucoup, dis donc. Bon, du coup, ça va, ça monte lentement. Voilà. Là, on est pas mal. On retire le Toyota. Orange, le Toyota. Ah ben, on peut plus me laisser ranger le tuyau. Ah si, voilà. Bon, c'est pas tip-top, hein, l'huile, hein, pour le coup. Il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Donc ça, on rebouche la trappe. Et on referme la trappe. On n'en parle plus. Donc ça c'est fait. Ensuite on va faire le liquide de refroidissement. Donc c'est là-bas. Voilà. On va chercher un bidon. Donc ça veut dire que je vais être obligé de mettre une échelle. En même temps, je pense que ça aurait été bien compliqué de verser de là-bas, hein, mais bon. Hop. Voilà. Donc là, on fait le plein de liquide de refroidissement.
Hop, on est bien. Alors c'est pas évident de le reposer, hein. Il veut pas toujours le poser là où on voudrait. Voilà, pouf. Bah, du coup, on va remonter par l'échelle. Ça sera plus simple, hein, pour fermer le bouchon et la trappe. Voilà. Donc ça c'est bon. Et il ne nous reste plus qu'à faire le plein. Voilà. Là, c'était vraiment une petite mission de rien du tout. On est à 17 minutes. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pas aller plus loin. Je vais quand même regarder la mission suivante, mais... Ça, c'est fait. Impeccable. Voilà, donc là normalement j'ai bien tout refermé, j'ai bien tout rebouché. On a tout qui est fait, donc appelé pour intercepter quelques bombardiers, mais ils sont partis avant que nous arrivions. Vérifie les niveaux avant le prochain vol, s'il te plaît. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Alors du coup je peux débloquer quelque chose. Alors un assistant, ça permet de dévisser deux vis en même temps. Ça c'est ce que j'ai déjà débloqué a priori. Alors bon contact, quelques bouteilles de cognac. Tu disposes de 10 minutes supplémentaires pour toutes les tâches avec une limite de temps. Ouais, ce sera peut-être pas mal ça. Hop. Point de compétence, j'en ai encore. Œil de lynx. Voilà. Système de lubrification, de refroidissement, soupape, alimentation, pistion, piston et allumage. Bon, on va partir des bougies. Ouais, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Hein. Hop là! Donc ça c'est fait. Et on est à 19 minutes. Intercepter un groupe du 88e attaquant le navire à Eastbourne. L'avion de tête en a eu un, mais ils se sont sauvés. Avant que j'aie pu les rattraper, vérifie les pistons. Cette fois, je crois que le moteur a chauffé pendant la poursuite. D'accord, ouais, donc en plus c'est quelque chose d'assez long. Faut vérifier tous les pistons, tous les segments, et refaire les pleins. Donc du coup, je vais m'arrêter là. Donc voilà, on n'avait pas la... Enfin, je n'avais pas la certitude qu'il y ait plusieurs modèles d'avions. J'avais cru comprendre qu'il y en avait plusieurs, et là, bah effectivement, il y a le Spitfire. Donc on a au moins deux modèles d'avions. De toute façon, chaque fois que je débloquerai un nouvel avion, s'il y en a d'autres, je vous ferai une vidéo. C'est pareil, je vous ferai une vidéo sur l'armement. Et je vous ferai une vidéo peut-être sur les réparations de combat. Pourquoi pas, ça pourrait être un peu intéressant. Voilà, donc en tout cas, je vais vous laisser là. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, diffuser, partager. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que je ne fais plus de live sur YouTube, que je ne fais des lives que sur Twitch. Vous avez le lien de la chaîne Twitch dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez me soutenir, vous avez toujours la possibilité de passer par Utip, ce qui vous permet de me faire bah, simplement un petit don en regardant une simple vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez regarder des petites vidéos publicitaires, 3 maximum par jour, et elles me permettent de gagner 5 centimes à chaque fois que vous en regardez une. Il faut bien regarder la vidéo entièrement pour que ça fonctionne. Ce sont des vidéos d'environ 30 secondes. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, et je vous remercie, et je vous dis... à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!
Thank you.